Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui? On a fait la mission, je crois, là, non? On va aller voir ça. Chers auditeurs du Danicast, une question me taraude depuis mon réveil. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à la Fondation Émilie May la nuit dernière? Hier, on parlait encore de philanthropie et de combat pour le bien de la communauté. Aujourd'hui, le lieu s'est transformé en véritable zone de guerre. Je sais, ces chasseurs, ils sont... Vous qui avez appelé des renforts, c'est vraiment pas cool. Perte d'étoile. Ça, c'est de la patate. Boum. C'était le dernier des affaires. Ah, je les ai déjà défoncés. Ok. A pas traîné. Je vais voir ce qu'il a dans le ventre. Mon Harlem. Les chasseurs vont découvrir qu'il y a un nouveau shogun en ville. C'est l'école abandonnée que ma mère essaie de faire rénover. C'est ça leur base ? Quelqu'un doit leur montrer que l'école est finie. Il y a des coffres, il y a tout là. Salut MJ. Hey Miles, je viens de parler à Bill. Il va chez le docteur Connors dans le Queens. Tiens-toi prêt au... Il y a un coffre là. Hop. Ah ouais, pour de vrai? C'est Bill qui t'a demandé de m'appeler? Non, mais... Deux Spider-Man valent mieux qu'un, tu crois pas? Ouais. Ah c'est bon, ça a plein de coffres les gars pour se booster encore. On dirait qu'il a pas besoin de moi. Je pourrais rendre visite à Ellie en attendant. Y'a quoi là? Oh c'est bleu ici. T'entends? Un Claron? Il est passé où? Je vais jeter un œil dans le coin. Ok. Il y avait une cache juste ici. D'accord. À quoi servait cette cache? On dirait que ce sont les plans de mon immeuble. Je rêve où il prépare un cambriolage. Il faut que je rentre en vitesse. Qu'est-ce que tu fabriques, oncle Aaron? J'espère sincèrement que c'est pas ce que j'imagine. Est-ce qu'on peut se déplacer rapidement? Oh, il y a un bouclier ici. On ira après. Franchement, il y a tellement de missions à faire, les gars, c'est vraiment agréable. Le jeu est vraiment quali. Hein. Je prends que du plaisir à jouer, en tout cas. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Oncle Aaron?
Cette photo de papa et d'oncle Aaron quand ils étaient petits. Le tourne-disque de papa n'est plus là. Nous aurait pas piqué des affaires quand même. C'est un des disques de papa. Christmas Baby. Là, j'ai vraiment touché le jackpot. Oncle Aaron est encore ici. Je peux pas le laisser voler autre chose. Il croit qu'il est en train de le voler, je suis pas sûr moi, mais bon. Je suis pas sûr. En te montrant ici. Tu disais que t'arrêtais avec le rôdeur. Et tu m'as menti. Wow, 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 calme-toi un peu. Mijo. Maman? On voulait te faire la surprise, mais... Ok, il se passe quoi, là? Quand tu as commencé à aider ton oncle, ça m'a inspiré. Malgré tout ce qu'il a fait, tu as pu lui pardonner. Alors j'ai décidé de faire pareil. Et je me suis portée garante pour le bail de cet appartement. Merci encore. C'est bien de retrouver de la famille à proximité. J'étais sincère. Le rôdeur, c'est du passé. Je voudrais qu'on ait un avenir ensemble, en famille. Et je t'ai dit que je trouverais un moyen de te remercier, non? C'est quoi? Un prototype sur lequel je bossais avant cette embrouille avec Roxanne. Ça pourrait être utile. Qu'est-ce que c'est, ça, nouveau... Un nouveau équipement, une tenue. Oh, c'est beau l'amour, les gars. On dirait qu'Oncle Aaron aménage vraiment son avenir. À l'étage du dessus. Comment il a douté de lui, les gars. J'ai hâte d'essayer cet équipement. Vous avez débloqué la frappe du rôdeur. La première attaque de corps à corps en étant camouflé. Ok, c'est quoi, c'est un gadget, c'est... On a 3 points de compétence encore. On va augmenter nos dégâts. Hein. La capacité recharge légèrement tous les 10 coups d'un combo. Les attaques aériennes exécutives infligent des dégâts jusqu'à ce moment. Ouais, mais moi je préfère prendre ça. Hop. Tac. Ok. Donc là on est bon. La tenue, alors ça va être une nouvelle tenue peut-être. Oh, que c'est dégueulasse. En vrai, elle est pas mal, là, sa tenue. Je vais remettre celle-ci, les gars. En blanc, ouais. Elle est pas mal en vrai, celle-ci. Oh. Oh, on a débloqué les anciennes tenues, les gars. Oh, oh, comment il est stylé, celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci, moi. Celle-ci aussi, elle est quand même magnifique, hein. C'est vrai que... On va faire la mission là, celle-ci les gars. On peut se dévoyager, hein, faire un voyage rapide, donc ça c'est cool. Wow. Les araignées, ça vient.
tais. C'est parti. Je vous attends. Il faut que quelqu'un l'aide. Waouh, par contre, je me suis fait. Oh. Je me suis fait défoncer, les gars. Attendez, je vais regarder un truc. Est-ce que je peux prendre Peter Parker? Ah non. Je ne peux pas. Jouer comme ça. Amenez-vous. Parce que je lui mets à lui. S'il vous faut des renforts, c'est que je vous fais peur, hein. Plus que deux tourelles. Oh là là, tellement beau ça ce que je viens de faire. Allez. Et à moi, petit taré. Dégage.
nous reste à... On a tout défoncé, les gars. Il en reste encore ? Allez ! Ramasse ça dans ta gueule. Les données que t'as récupérées aux affûts indiquent une autre salle ici. On pourrait peut-être y trouver des infos utiles sur les chasseurs. Ok. Ouais, ça pourrait me convenir. Alors, voyons voir ça. Il y a un fichier codé. Sacha, s'il te plaît, oublie cette obsession. Entre auprès de moi tant qu'il nous reste encore du temps. Notre temps a évolué, mon amour. Et que fais-tu de nos... Kraven est amoureux, les gars. Ils vont s'entre-déchirer pour le contrôle de notre empire. Les lionceaux doivent gagner leur place, comme n'importe qui. Ils me considéreront comme un obstacle. Alors frappe la première. La famille de Kraven... Elle a l'air vraiment sympa. Ça pourrait devenir un problème. On devrait continuer à nettoyer les bases. Pour se tenir prêt. Ces gens se font agresser. S'il vous plaît, taxi ! Hey ! Spider-Man ! À mon compte. Ok, j'interviens. Il est à nous. Vilaine crapule. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attaquer une base là ? Tiens, on va attaquer une base. Beaucoup plus rapide que ce que j'aurais cru. Après, on va continuer l'aventure, les gars. Je fais encore une base pour augmenter mes niveaux et... Et après, on continue avec Peter Parker, les amis. Oh là là. Des renforts ? Sérieux ? Vous étiez pas assez fort ? Ça y est, j'ai la cible en vue. Oh là 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 là. Allez, ramasse ça. J'adore ce coup de poing, les gars, il est incroyable.
Il est incroyable ce coup de poing là. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. T'as sûrement pas mal de choses à me dire. Une carte de leur base. Qu'est-ce qu'ils trafiquent ? Oh non ! Je ferais mieux de neutraliser ce relais si je veux pas que les renforts débarquent. Il y a aussi deux autres signaux d'affût par ici. Ah ! C'est quoi ça ? Cible un... Ah les drones, ah oui. On va aller faire l'autre là. Et après, on continue, les amis. Je vais regarder si on peut prendre Spider-Man, les gars. Enfin, Peter, je veux dire, plutôt. On peut prendre Peter, les gars. Ah ouais, Peter, il est tellement fort, les gars. Par contre... Ah oui, c'est bon, on est à côté. Alors, fais voir... Les compétences, les gars, on peut augmenter les compétences de Pete. On va continuer, hein. Ah ouais, c'est quoi ça? Le coup de prince symbiotique projette... Ah ouais, ça c'est fort. La surcharge dure considérablement plus longtemps, ok. Lors d'une surcharge, vos capacités se rechargent deux fois plus vite. Ah ouais... Franchement, on est presque à fond déjà, les gars. Oh là là. Des renforts ? Vous ne croyez pas qu'on est assez nombreux ? Découpez en tranches. Oh là 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 là. Oh là là. C'est tellement incroyable. Pete, les gars, c'est n'importe quoi. Hein. C'est cheaté de ouf. C'est dinguerie. Ah, il y a des relais à désactiver là dans la base. Allez. Ce serait dommage qu'un Spider-Man les recouvre de ces vilaines toiles. Attendez les gars, je regarde juste les où la salle. Non, elle est pas encore là. Ce qu'on va faire, les gars, on va continuer l'histoire. Voilà. On va continuer l'histoire. On va aller là. Allez. On va continuer l'histoire, du coup. Ah, il y a un coffre là-bas. J'adore quand je tombe comme ça. Ok, petit coffre. Tu sais, niveau gadget, on peut booster peut-être. Ah oui, on peut augmenter ça.
C'est pas négligeable. Lance 3 mines supplémentaires qui émet. Ah ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort les gars. Là, on est bien boosté là. Ok. On continue l'histoire les gars. Pourvu que Connor soit chez lui. Son alter ego tout vert n'ait pas pris le dessus. Docteur Connors ? Docteur Connors, vous êtes là ? Ça fait combien de temps que ça sonne ? La famille de Connors. Sa femme est partie avec son fils après le premier accident du lézard. Je ne suis pas Craven. La chambre de son fils. Un ami des bêtes. Doc ? Connor, c'était bien là. Il s'est battu de toutes ses forces, apparemment. Trop chou. Ah. Qu'est-ce que Craven vous a fait, Doc ? Ces échantillons sanguins sont pour un décodeur de génome. Connors a un labo ici ? Donc on fuit par là. Pourquoi t'es pas par terre, toi ? Coucou. Y a aucun chiffre sur le pavé. Les touches font des notes de musique. Peut-être que le code est une chanson ? Peut-être que je devrais chercher une musique dans la maison. Ah ouais les gars, attendez. Je pense que c'était le truc du gamin que d'ailleurs quand on a touché, on aurait dû regarder en fait. Connor adore les secrets. Wow. Une crise. Des vivariums de reptiles pour les premiers tests de régénération de Connors. Je sais toujours pas comment il a perdu son bras. Les capteurs de mouvement ont activé les caméras il y a une demi-heure. Il fallait juste faire un test sanguin. Allez, docteur Connors, battez-vous. Ah ouais! Craven va payer pour tout ce qu'il a fait subir à Connors et ses proches. Ça l'a pas retenu. C'est typiquement ce qui plaît à Craven. Ouais bah il va y avoir des ennemis les gars. Cette bestiole peut être n'importe où. Trop stylé. Vous n'avez pas idée. Par contre on commence à être plus dark qu'avant. Oh non, on est de plus en plus dark hein. Mais si vous, Craven, continuez de l'embêter, vous aurez affaire à moi. Ah
t'es un connard ? Ah, c'est pour se prouver quelque chose ! J'aime plus qu'un jeu pour lui ! Oh là là, par contre, qu'est-ce qu'on est devenu fort ? Oh là là. Non mais là, par contre, Peter, les gars, il commence à devenir dark. Début du 19e ? J'adore les tresses. Ah ! Il y aura Miles, les gars. Ok. Ouais, ok. Je vois le genre. La ville a besoin de moi. De Spider-Man, pour l'instant. Excuse-moi. Pete ? Qu'est-ce qui se passe ? Le marché ? Ouais, ouais, j'y serai. Désolé. Je t'envoie un message. C'était trop bien. La fresque, je veux dire. Ok. J'attends toujours que Pete me rappelle. Hey, comment ça va avec Ellie ? J'ai abrégé. Le lézard s'est enfui. J'ai besoin que tu m'aides à le localiser. Le lézard ? Et sinon, Ellie pense que je suis totalement fou de vouloir trouver Ellie. Comme tout le monde, on dirait. On veut te protéger. La vengeance, ça... Je cherche pas à me venger. Mon père a toujours cru aux deuxièmes chances. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est mon boulot à moi de vous protéger. Ça devrait pas être l'inverse. Compris. Alors, attends deux secondes que je lance mes machines. Savoir ce qui va se passer, les gars. Par contre, Pete, à mon avis, ça sent mauvais. Hein. Je pense qu'il va devenir vraiment dark. Alors, on sait qu'il y a Venom qui va être dans le jeu, les gars. Donc, comment Venom va arriver ? C'est ça la question, en fait. Ouais, c'est pas si vite que ça. Je vais avoir de la compagnie en fin de compte. On se déploie, maniez-vous. Go, go, allez. Waouh, y'a du monde, hein. Partout, formation serrée. Ils ont des drones pour suivre le lézard. Je pourrais peut-être m'en servir. C'est quoi ça, un système de défense ? C'est bon à savoir. Je vais garder mes distances. Je peux pas les laisser attraper le lézard. Je dois les neutraliser. Dispersez-vous. Si vous trouvez le lézard, ne l'attaquez pas seul. C'est encore moi. C'est bon, je suis à mon poste de combat. Beaucoup de chasseurs. Ils utilisent leur drone oiseau pour tracer le lézard ? Sans doute, ouais. Mais pourquoi ? J'ai une idée. Je tente un truc pendant que tu nettoies l'entrepôt. Thank you.
par ces poissons. Bon bah allez, on va voir. Enfin... Franchement, c'est pas mal les mines là. Je me lasserai jamais de te regarder coller des raclés. Et on a le piaf. Voici ta tenue peut contrôler la carte mère du drone. Ok. Je vais tenter le coup. Ok. Ok. Ma tenue se connecte. Voilà. Loué soit Unix. Ok. Je reboot l'altimètre et. Je vole! De quoi j'ai l'air? Ben, d'un drone volant, mon pote. Ouais, mais d'un drone volant qui suit la trace du lézard. Génial. T'es rapide. On dirait qu'il est de l'autre côté. Oh, oh, c'est aussi maniable qu'un tank. Oh, 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 ça va faire mal. Donkey, ça va? Ouais, mais je crois que j'ai bouché le passage. T'inquiète. On se retrouve de l'autre côté. Le garage devrait me conduire à Ganki et au lézard. Ok. C'est parti. Il m'a fait sursauter. J'avoue les gars. Aïe. J'aime pas ça. Wow. Le con, il m'a fait peur. La vache. Mais t'étais où, sérieux? Aucune idée, mais j'ai pris. Ouais, pareil. Allez, on doit trouver ce lézard. Cool, ouais. Mais il faut que j'en vois. Il est quelque part par ici. Sa queue a failli m'avoir. C'est difficile à dire. Les données de traçage des drones sont très incomplètes. Okay. Ganki, reste derrière moi. Pas besoin de me le dire. C'est coincé. On va se faire déglinguer, les gars. J'ai cru, hein. Il a mué, les gars. Son appétit aussi.
Ah, j'ai eu peur. Waouh. Salut. Nouvelle tenue. Ça grouille de chasseurs par ici. T'as suivi Connors ? Ouais. Ganky tient une piste. Bonjour, monsieur Barker. Monsieur Spider-Man, je veux dire. mais les données sont incomplètes. J'ai de quoi vous aider. Ah, c'est du sang ? Non, attendez. Essayez de le mettre là-dedans. Scanner intégré. Pratique. Oh la vache ! Super échantillon ! Tenez-moi deux secondes. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Ganky, attends, t'excites pas ! C'était pas moi. Moi non plus. Moi j'ai pas d'estomac, du coup... Wow ! Il est là les gars. C'est parti ! Oh, le monde qu'il y a! Je peux pas perdre Connors. Ça arrive à mourir. Et il est le seul à pouvoir l'aider. T'inquiète. Tu prends les drones. Je m'occupe des jet skis. Putain, man est là. Je peux emprunter ça? Alors ça, c'est vraiment pas excitant. Hey, t'endors pas. Fais gaffe à ces drones. T'en fais pas. Ils me prennent pour un des leurs. Stylé hein. Là, descendez-le. Hé, vous m'avez pas invité sur votre yacht ? Ça défonce. Spider-Man, il est en train de se battre. Bougez-vous. Mise à couvert. Il semble être touriste. Ok, je m'occupe de l'artillerie volante. Ah, on charge. Bah voilà, ça c'est bon. Merde. Par contre là j'ai pas compris ce qui s'est passé les gars. Oh là là. Wouah. Ah, il est impressionnant les gars. Il veut me bouffer ? Oh, c'est stylé hein. Oh, c'est stylé les gars. Aïe 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 aïe, comme ça défonce. Ça, c'est des beaux moments d'action, les gars. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Voilà. Mais c'est dur de s'en rapprocher. Ce n'est pas pour moi. Je suis avec eux. Rappelle-toi. Yes. Bien joué. Vite. On se fait un dunk à trois. D'accord. Oh là 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 là. Un, deux, trois.
Comment il l'a dégagé? Il nous a échappé. T'en fais pas, Pete. J'ai le tracker. Allons-y avant qu'il s'éloigne trop. Non. Il est à moi. T'es sûr de toi? Il a de grandes dents quand même. Moi aussi. Dark Pit, les gars. Il est pas dans son état normal, si? Non. Ça lui ressemble pas du tout. Le mouchard indique que Connor. Ok, on va aller là-bas. Y'a pas un voyage rapide par là? C'est dans les égouts de l'Upper West Side. On se dépêche. Hé, hey, ça a donné quoi chez Connors? Non, mais je le localise. Pete, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu me caches quelque chose. Miles était pas au top. On tenait presque le lézard. Je suis sûr qu'il voulait juste t'aider. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah ouais? T'es injuste, Pete. On est une équipe. C'est de Connors qu'on a besoin maintenant. Pour Harry. Ok. Fais-moi signe si tu le trouves. Central Park, les gars. On va profiter pour prendre ça là. Il y a une araignée là. Dites-moi, mes amis, serait-ce déjà la Fashion Week? En tout cas, Spider-Man s'y est cru avec son nouveau costume noir. Mais, chers auditeurs, même si le tigre perd ses rayures, il reste toujours un tigre. Toujours aussi dangereux. Spider-Man a récemment dévasté le Queens en affrontant les chasseurs. Personne ne sera épargné. Nous avons tous été témoins de cette course-poursuite sur l'East River, où la menace en... Je peux passer par les égouts en face. Allez les amis. Harry. T'es vivant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je suis pas loin de trouver le docteur Connors. J'ai plus qu'à lui injecter l'antidote et je te rends ton costume direct. Ok. Dis-moi quand c'est bon. Commence à revenir avec des séquelles, lui, du coup. Ok. Le plomb des conduits perturbe le signal des mouchards. Où est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'il y a une sécurité ici? Réparer les dégâts du lézard. On va commencer par ça. Que le lézard pour mettre les égouts en bordel comme ça. Ah, je pensais que je pouvais passer, les gars, moi. La tenue, elle est incroyable. Cette tanière est sur une ligne de métro désaffectée. C'est du gaz que je sors. Je crois pas que c'était un accident. Connors ne veut pas qu'on suive. Thank you.
Bah comment je fais alors? Que bizarre. Wow. Sérieusement? Encore une caméra. C'est pas vrai. Oscorp a installé un labo dans les égouts? Norman avait dû préparer cet endroit pour Connors à l'époque. Mais sans le répertorier. Tous ces vieux antidotes, tous périmés. Je veux même pas savoir ce qu'il y a dans ces cuves. Sur quoi Norman a bien pu demander à Connors de travailler dans ce labo? Pourquoi il a noté des coordonnées célestes? Ce symbole. Je savais pas que Connors avait étudié les langues anciennes. Ça doit être pour les caméras dans les tunnels, ça. Ils ont aussi une salle blanche? Attends. C'est notre accélérateur de particules de la Fondation. Connors s'en serait servi pour analyser du minerai? Le minerai est attiré d'ailleurs par notre la combinaison est attirée par le minerai, les gars. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas celui-là. Aïe aïe aïe! Il y a une belle petite bête derrière nous. Oh ouais! C'est beau les gars, c'est beau. Ah il est beau, ah il est beau. Prêt pour votre check-up annuel? Il est tellement stylé les gars. Ça va le faire. Vous devez esquiver, ok. C'est pas la première fois, Connor. Si vous êtes là, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Connors, un brillant scientifique. Vous avez fait des erreurs, mais c'est pas obligé de finir comme ça. Eh hey, tiens, prends ça de ta gueule. Oh. C'est sa gueule le vrai problème. C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? Vous pouvez encore la retrouver. Oh là là. Vous voulez quand même pas plus. Oh là là les gars. Vous devez vous battre pour lui. Thank you.
Par contre, là, j'ai pris cher. Aïe aïe aïe, il lui reste quoi comme PV les gars? Franchement c'est abusé. Il reste rien les gars. On aurait pu le battre. C'est pas la première fois, Connor. Si vous êtes là, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Il est à terre, c'est à moi de jouer. Vous êtes Kirk Connors, un brillant scientifique. Vous avez fait des erreurs, mais c'est pas obligé de finir comme ça. C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? Vous pouvez encore la retrouver. Votre fils de son père. Vous devez vous battre pour lui. Oh là là, comment on le chope les gars. Tiens, prends ça dans ta gueule. Spectaculaire le combat les gars. Là, je me suis fait avoir, les gars. Arrêtez de m'affronter. C'est le seul moyen de vous faire revenir. Ça pourrait déjà être terminé. Restez tranquille. Wow. Wow, c'est incroyable. Je peux vous guérir pour de bon. Alors, faites au moins un petit effort. Oh là, ce qu'on lui met. C'est normal qu'il soit si gros. Wow. Il m'a défoncé la gueule. Il est costaud, hein. Par contre, là, il m'a eu un peu par surprise. Laissez-moi vous aider. C'est le moment. Arrêtez de m'affronter. C'est le seul moyen de vous faire revenir. Ça pourrait déjà être terminé. Allez. Waouh 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 waouh, le sérum les gars.
Aïe aïe aïe. Alors là, non. C'est vrai qu'il part du dinosaure en vrai. Il ressemble trop à un dinosaure hein. Il est impressionnant. Par contre là c'est pas cool par contre ce qui arrive là. Po. Heureusement qu'il a sa tenue, les gars. Comment il ferait sinon? Pour mettre ma caméra, les gars. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Je m'en occupe, officier. Vous m'aidez pas là. Vous vous fichez de moi, connard. Empêche, c'est trop bien. Hein. J'essaie de l'action. Po. Les chasseurs. Sérieux. Vous l'aurez voulu. Sacré chasseur. Je vous ai dit de pas vous emmener. Oh là là, les effets les gars, c'est incroyable. Hein. T'as vraiment une sensation d'être un super héros quoi. C'est incroyable là. Po. Qu'est-ce que tu vas faire, Kitao? T'envoler? Incroyable. Venez de courir. Il va mourir, non? Wow. Quel magnifique trophée. J'arrive. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui arrive? Il grossit encore? La régénération, c'est trop cool. Ah non, j'ai peur. Wow, les gars, c'est pas fini encore. Oh là là. Ils ont peur de vous. Et vous le savez. Ça l'a ralenti. Il faut que je me rapproche. Oh là 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 là. C'est même pas pour moi que je fais ça. Harry a besoin de vous. Vous vous souvenez de lui? Il va mourir, Doc. Je peux pas le perdre. Vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Putain, par contre. Il a appris un nouveau coup. Je peux pas le laisser là-haut indéfiniment. Par contre, ça fait mal. Aïe 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 aïe. Par contre là ça commence à être costaud les amis. C'est pas de la petite créature. Par contre ça a pas pris. Il fait mal hein. Ils ont peur de vous. Et vous le savez. Ces poids sont hyper dangereux. Thank you.
ça? Harry a besoin de vous! Vous vous souvenez de lui? Par contre, j'arrive pas à esquiver ça. Ok. Injecter l'antidote dans les gencives si je me rapproche assez. Eh ben c'est de l'action les gars. Wouh. Allez les gars! Yes! On y est arrivé! Ah! Là tu fais moi le malin là! What? Non les gars! Oh les gars, ça a coupé. Mais non. Oh les gars, j'espère que je suis pas obligé de tout refaire. Oh les gars. Non, c'est bon. Bon, heureusement. Heureusement qu'on n'est pas obligé de tout refaire. On arrive quand même à le sauver les gars. Par contre ouais. Où est-ce que vous avez eu ça? Harry Osborn, il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il va nous révéler, les gars? Révélation, les gars. C'est par ici. Wow, wow, du calme. Je vais regarder de plus près. C'est par
Ça va. C'est pour ça qu'il a perdu son bras ? Ah ouais ! C'est quoi ce truc ? C'est un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Donc je porte un alien ? On appelle ça un symbiote. Il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Dans notre cas, Harry Osborn. Il vous l'a donné ? Exactement. J'étais blessé. Et il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler Oscorp. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire ? Aïe ! Vous avez dit qu'il m'avait choisi, Doc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre. MJ, content de t'avoir. Ça va bien ? Ça va. Je fais un peu de rangement à la maison. On aurait une nouvelle tenue, les gars ? Ouais, pas dingue. Par contre, j'allais voir dans les compétences, on a encore débloqué des choses. 2 points de compétences, ok. On va finir d'augmenter ça, là. Ah, allez, il en faut 2. Ok. J'ai des nouvelles d'Harry. Mais ça va, toi ? Il parle de ta poursuite avec le lézard aux infos. Oh, ça va. Connor s'est guéri, et le costume tient ses promesses. C'est ce qu'on appelle un symbiote, apparemment. Oh, et c'est un extraterrestre. C'est dingue, non ? Attends, quoi ? T'as pas l'air très inquiet. Si, un peu, mais... Sans lui, j'aurais jamais pu arrêter Connors. Peter, à vous deux, vous avez ravagé la moitié de la ville. Sans blague, t'as vu ce que vous avez fait au musée ? Je suis même surprise que personne n'ait été tué. Pas moi ? Fallait bien que je le soigne d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. J'allais pas le laisser mettre la ville à sac, si ? C'est pas ça que... Je vais rester ici pour travailler. J'ai enfin trouvé l'inspiration pour un article qui peut emballer Jonah. Peut-être. Ah bah elle est là, araignée. Il rentre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il prend ? Ça doit être le stress de la page blanche. Elle a besoin d'être un peu seule. Pendant ce temps, voyons voir qui a besoin de notre aide.